bonjour à tous et bienvenue ici à Angers, au Stade Jean-Bouin, pour le Trophée des Champions. Alors, un Trophée des Champions, comme le veut cette appellation. Cela oppose donc le champion de France, l'AS Monaco, de la saison dernière, au vainqueur de la Coupe de France, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. C'est une belle affiche. Nous sommes à une semaine du début du championnat de France, qui débutera donc le week-end prochain. Un match délocalisé, bien sûr, sur terrain neutre. Alors, au niveau des compositions d'équipe, côté monégasque, tout le monde est là. Et côté de Bordeaux, on notera la titularisation de la recrue portugaise Fernando Chalana. Voilà, alors on le rappelle que Monaco, champion de France en titre, ça peut paraître surprenant, mais n'a pas recruté à l'intersaison. Certains joueurs ont quitté le club, notamment comme Eric Pécou, qui est parti à Strasbourg. Mais il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux arrivants sur le rocher. Alors il est vrai que l'effectif monégasque est assez fourni. Voilà, donc ce match a démarré. Attention, c'est parti là-bas. Fargeon, hein, il est tout seul face à Ettori. On pensait qu'il était en position de hors-jeu. Et bien sûr, Philippe Fargeon qui lui a été titularisé aujourd'hui en lieu et place de Bernard Lacombe. Donc forcément, allez, encore un long ballon. Là, par contre, on a entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Chalana. Donc l'attraction hein, côté bordelais, c'est Fernando Chalana, recrue estivale du côté des Girondins de Bordeaux. Alors forcément, ce match va peut-être nous livrer un peu des indications sur les formes des clubs donc monégasques et bordelais à une semaine du championnat. Mais c'est surtout, on va dire, un bon moyen de s'entraîner un peu avant le début de saison, car on le rappelle, ce titre est quand même assez honorifique. Là, c'est Barberis pour Glenn Hoddle qui rentre dans la surface de réparation. Glenn Hoddle qui frappe et qui sollicite les gants de Dominique Dropsy. Voilà la première grosse occasion du match, puisque tout à l'heure, on l'a vu, le Bordelais Fargeon était tout seul face à Ettori, mais c'était plutôt... Il avait un peu cafouillé sa prise de balle. On ne peut pas parler vraiment d'une occasion. Et là, c'est Marcel Dib qui est contré par Chalana, justement. Et c'est reparti pour Zlatko Vujovic. Il déborde sur le côté gauche. Vujovic, 11e minute, qui cintre pour Fargeon là-bas. Mais c'est mis en corner. Oui, ce sera un corner. Dib n'a pas pu empêcher la sortie de ce ballon. Corner tiré par Chalana, la tête de Fargeon, et ça passe au-dessus. Voilà, grosse occasion bordelaise. Alors on le dit, hein, c'est plutôt un match encore de rodage hein, pour les deux clubs. Bien sûr, Bordeaux, cette saison, voudra être champion de France, hein, n'ont pas douté. Monaco, ben, évidemment, aimerait bien conserver son titre. Même si on sait que, généralement, les statistiques sont assez imparables. Hein, les champions sortants ont toujours du mal la saison suivante, mais là c'est vrai que l'effectif monégasque n'ayant pas changé, nous verrons bien au cours du championnat si Monaco sera sur la même dynamique que la saison dernière. Là c'est Touvenel face à Marcel Dib. Touvenel qui déborde, mais Dib qui est bien revenu, hein, mais ce sera quand même un corner concédé par le milieu de terrain monégasque. Toujours Chalana qui botte ce corner. Vujovic, et ben voilà, 1-0. But bordelais de Zoran Vujovic, Zlatko Vujovic, pardon. C'est son frère, c'est l'attaquant. Et il ouvre le score, et effectivement, c'était le deuxième corner bordelais. La première tentative de Fargeon est passée au-dessus, et bien celle-ci est la bonne. Alors un ballon qui a été détourné. Ouais, c'est une tête de Vujovic, et c'est Ernesto Simon, je crois, qui dévie ce ballon bien malgré lui dans la cage. Non, c'est plus elle qui dévie ce ballon dans la cage. Et ça fait 1-0 pour Bordeaux. Nous sommes à la bientôt 19e minute de jeu. Bijota pour Bruno Bellone. Bellone qui déborde Touvenel. Ouais, c'est bien joué. Il a le compte favorable. Il va centrer. Un ballon qui est revenu. Marcel Dib au 20 mètres. Frappe de Marcel Dib. Égalisation. Voilà. Égalisation dans la foulée de Monaco. Ben voilà, on ne gamberge pas pour les joueurs de la Principauté, et ce sera une joie de courte durée pour les Bordelais. Un partout, en tout cas pour l'instant, il y a des buts. On le rappelle, hein, ces deux équipes, comme d'ailleurs toutes les autres équipes du championnat qui commencera donc samedi prochain, sont encore en préparation, encore en rodage. Et pour l'instant, ça fait un partout. Très beau but hein, de Marcel Dib sur cette frappe tendue. Dominique Dropsy
n'a rien pu faire. Alors on l'a redit, ce match se joue ici à Angers, au stade Jean Bouin, sur terrain neutre, comme le veut la tradition du trophée des champions. Athlée, allez, peut-être pour Barberis, là, les Monégas qui vont un peu mieux depuis qu'ils ont égalisé. Barberis qui déborde, qui centre, mais là il n'y aura personne. Il n'y avait personne de toute façon. Alors, c'est vrai que pour l'instant, Lucien Muller, l'entraîneur monégasque, a vraiment aligné son équipe type. Pour l'instant, alors certes, on verra certainement des changements au cours de ce match. Mais effectivement, on est plutôt dans une configuration championnat pour Monaco, pour déjà travailler les automatismes. Attention, mauvaise relance. Tigana qui veut lancer Farjon, mais Tori qui est là. Alors, il fait beau cet après-midi, la pelouse est en très bon état. Et Bordeaux qui arbore un nouveau maillot pour ce trophée des champions avec un nouveau sponsor et une culotte bleue qui tranche avec la culotte blanche de la saison dernière. Et là c'est Odel qui récupère le ballon, Marcel Dib. Dib aux prises avec Tigana, ouais il revient bien sur lui, ouais Dib qui écarte Barberis, ça c'est très bien joué. Humberto Barberis qui va pouvoir ajuster son centre pour Athlée de la tête, c'était très bien joué. Mais ça passe au-dessus de la cage de Dominique Dropsy. Il demande quand même à ses défenseurs de resserrer un peu le marquage. On a passé la demi-heure de jeu. Et un match assez équilibré finalement. Bon, attention, perte de balle de Simon pour Farjan qui file au but. Qui frappe, mais Tori s'empare du ballon. Attention, il y avait une grossière erreur là de Juan Ernesto Simon. Ça aurait pu coûter très cher. Et Farjan qui n'a pas été très réaliste sur ce coup-là. Là, c'est Girard. Très bon tac sur Bellone. Il veut servir Vujovic dans ses Gires finalement pour Farjan. Ah, qui donne à Vujovic, c'est très bien joué. Oh, ça passe juste au-dessus. Ah, c'était très bien joué là, ce triangle Gires-Farjan à une touche de balle pour Zlatko Vujovic. Et pour l'instant, Bordeaux a eu une grosse occasion. Alors, on notera les mises sur le banc provisoire certainement pour l'instant de Bernard Lacombe et de Dieter Müller qui ne sont pas titulaires pour l'instant. Là aussi, il faudra voir si cette tendance se poursuivra en championnat. Marcel Dib, 40e minute, qui est face à Chalana, qui va centrer pour la tête d'Athlée. Ström derrière, mais il était en position d'hors-jeu, le Suédois. Et de toute façon, il n'avait pas pu s'emparer du ballon. Mais ça va quand même d'un but à l'autre. On voit que les deux équipes se projettent vers l'avant. Et finalement, le rythme est quand même assez intéressant pour un match encore de préparation. Chalana. Chalana sur le côté qui élimine bien, qui centre. Oulala, oh là là, on a failli assister à un petit but contre son camp là sur cette déviation. Et finalement, on s'est dégagé en catastrophe un peu côté monégas. Ça allait un peu vite. Il y avait beaucoup de vitesse dans le jeu bordelais. Farjon qui centre, mais Bijota là-bas. Girard qui va essayer de frapper. Non, finalement, il la donne à Gires qui veut rejouer avec Vujovic. C'est bien joué, mais Barberis est venu défendre. Très très bon repli défensif. Humberto Barberis, on va s'approcher de la mi-temps, Trésor, Zoran Vujovic, à Bordeaux qui met quand même beaucoup de rythme, Gires, ouais, c'est bien joué pour Zlatko, Vujovic qui déborde sur le côté gauche, Vujovic qui va centrer pour Chalana de la tête, mais ça passe à côté et l'arbitre siffle la mi-temps. Voilà, un partout, un match intéressant pour l'instant entre donc Monaco et Bordeaux. On se retrouve dans 15 minutes après la pub. Nous revoilà donc au stade Jean Bouin à Angers pour cette deuxième mi-temps du trophée des champions entre Monaco et Bordeaux. Un partout, première mi-temps agréable avec du rythme. Bon, pas énormément d'occasions, c'est vrai, mais des buts en tout cas, puisque
Bordeaux avait ouvert le score par Vujovic et Marcel Dib avait répondu. Et là, c'est déjà Touvenel qui déborde sur le côté, qui centre. Mais Jean-Luc Ettori s'interpose. On rappelle un titre, certes, important peut-être pour la galerie du palmarès. Mais en tout cas, c'est plutôt un titre honorifique aujourd'hui qui se joue entre Monégasque et Bordelais. Parce que forcément, ces deux clubs auront déjà des échéances à préparer avec le championnat qui va démarrer la semaine prochaine et les Coupes d'Europe qui vont arriver assez vite au mois de septembre. Donc forcément, là, il est question de trouver les bons réglages. La Fargeon était en position de hors-jeu. Alors, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Et pour l'instant, les 22 acteurs sont toujours les mêmes. Bellone. Bijota sur le côté, Bijota qui déborde Girard, c'est bien joué, Bijota qui va se centrer, il cherchait là-bas Atlem, il ne le trouvera pas, et Barberis, Puel, Barberis, Didier Christophe justement qui est rentré. Alors j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de changement, mais il est rentré, Didier Christophe, il est rentré il y a 4 minutes exactement, mais c'est vrai que la caméra ne nous a pas montré ce changement. Barberis, là il y a une petite faute. Ah, l'arbitre qui veut quand même rappeler, même si ce n'est pas un match de championnat, mais il faut quand même faire attention. Et c'est Puel hein, là, qui est sanctionné. Ouais, il a un peu laissé traîner. Zoran Vujovic, coup franc. Il veut servir Gires, Chalana, Fargeon. Qui ne peut pas armer son tir, il est contré. Girard, il n'a pas de solution. Alors il joue en appui avec Gires pour Fargeon dans le petit périmètre. C'est pas mal la frappe en pivot de Fargeon. C'est bien joué. Mais Ettori qui est impeccable pour l'instant et qui s'empare de ce ballon. Je le rappelle, la saison prochaine à Bordeaux qui jouera la Coupe des vainqueurs de Coupe puisque Bordeaux a gagné la Coupe d'Europe. Et ça libère une place pour le FC Nantes qui jouera en match tour préliminaire de Coupe UEFA. Attention, le centre, la tête. Là, c'est Gires qui avait placé sa tête sur ce centre de Chalana. Ah, il était battu Ettori, mais ça passe à côté. C'est une belle action pour Bordeaux. Alors oui, on le rappelle, la victoire en Coupe de France de Bordeaux a libéré une place européenne qui a fait le bonheur de Nantes, qui a fini 5e du championnat alors qu'Alain Courriol, lui, vient de rentrer. Là, c'est Barberis qui a perdu le ballon. Tigana pour Gires. Puel, ah, il perd le ballon. Puel, et ça va vite puisque Gérard Soler, lui aussi, qui venait de rentrer pour Bordeaux. Soler qui va déborder. Gérard Soler qui en a fait opération. Ah, mais il n'y a personne. Non, puis c'était peut-être pas le meilleur endroit pour centrer. Et Bordeaux qui essaye d'accélérer là. Gérard qui va centrer. Et c'est sorti. Courriol qui dévie. On sent que Bordeaux appuie un petit peu là. Les Bordelais ont un peu plus la maîtrise de ce match en seconde période. Attention côté Monégasque, on a un peu de mal à se positionner là. On dégage ce ballon un peu à l'emporte-pièce. Girard, 70e minute pour Chalana. Chalana qui est en surface, il est contré. Didier Christophe qui est venu s'interposer, mais il perd le ballon. Girard, grosse possession des Bordelais. Zetko Vujovic, on joue en retrait. Tigana, ah, il veut jouer en pichenette, mais il n'y arrive pas. Mais finalement, c'est récupéré par Girard qui se bat bien, qui écarte sur le côté pour Touvenel. Mais finalement, le ballon est perdu. Ah, il y a eu une grosse possession là, côté Bordelais. C'est vrai que Monaco a un peu plus de mal en cette seconde période. Attention, Ernesto Simon hein, qui a failli perdre le ballon dans la surface de réparation. Mais c'est une contre-attaque. Barberis, ouais, qui sert Courriol, c'est bien joué. Mais Batiston veille au grain. Il joue en retrait avec Dropsy. La deuxième mi-temps dominée par Bordeaux. Hein. Pour l'instant, avantage au point, on va dire, pour les Girondins. Chalana qui aura fait une entrée intéressante. Voilà, il faut qu'il trouve ses marques aussi au sein du collectif bordelais. Gires. Trésor, on fait bien tourner le ballon. Zoran Vujovic, ouais, qui décale bien pour Gérard Soler. Gérard Soler qui va déborder aux prises avec Peul là-bas. Ah, il poussera trop loin son ballon. Ouais, ce sera une touche. Ce sera une sortie de but, pardon. Et il reste 9 minutes. Alors on le rappelle, en cas d'égalité, il n'y a pas de prolongation. Passeront tir au but immédiatement. Car nous sommes à une semaine du championnat, effectivement. Les consignes de la Ligue nationale de football sont claires. On ne va pas abuser du temps de jeu pour les joueurs une semaine avant le championnat. On le rappelle, ils auront d'autres échéances, notamment les Coupes d'Europe au mois de septembre.
Le tirage au sort aura lieu au mois d'août. Attention, Courriol là-bas. Non, mais il n'a pas pu s'emparer du ballon. Il reste 3 minutes de jeu. Long ballon en profondeur pour Vujovic qui va plus vite qu'Ernesto Simon. Vujovic qui gagne son duel. Vujovic qui frappe. Et Vujovic, Vujovic qui certainement offre la victoire aux Girondins de Bordeaux avec l'aide du poteau. Et voilà, 2 buts 1 pour Bordeaux. Ce n'est pas illogique parce que Bordeaux, quand même, en seconde période, poussait dans ce match. Et oui, là, on a pas vu le départ de l'action sur une longue ballon en profondeur. Mais Vujovic aux prises avec Ernesto Simon. Il a gagné son duel à l'épaule. Il vient mystifier Jean-Luc Ettori avec l'aide du poteau. Et ça fait 2 buts 1. Et là, effectivement, il reste 3 minutes. Et Bordeaux, pour l'instant, qui est sacré dans ce trophée des champions. Mais c'est vrai que Bordeaux a quand même dominé. A eu plus d'occasions en première mi-temps et surtout en seconde période. Avec cette tête de Giresse hein, qui était dangereuse. Et puis la possession de balle a vraiment été pour les Bordelais. On joue la dernière minute et l'arbitre qui regarde sa montre. Chalana qui joue avec Vujovic. Et oui, les Monégasques n'arrivent pas à remettre le pied sur le ballon. Vujovic qui part au but. Oh là, il est stoppé régulièrement. Et l'arbitre, oh ben voilà, carton rouge pour Marcel Dib. Et ben voilà, l'arbitre qui ne fait pas de sentiment dans cette rencontre. Et Monaco qui va finir la dernière minute de ce match à 10. Alain Giresse qui frappe. C'était bien cadré, mais c'est dans les gants d'Ettori qui va dégager ce ballon. Et certainement, voilà, c'est terminé. Bordeaux s'impose donc dans ce trophée des champions. Et Balaïs Monaco, 2 buts à 1. C'est assez logique. Voilà, c'était le trophée des champions à une semaine du début du championnat de France à Angers, ici au stade de Jean Bouin. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le premier numéro de Téléfoot de la saison. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.